Tous ceux qui sont croyants, leur œuvre là au subhanahu wa ta'ala. Et une fois qu'on arrive à faire un vrai rappel, alors subhanahu wa ta'ala lave les cœurs de tous les moumins. Mais pour eux, la parole qui quitte dans la bouche du prédicateur pour aller dans le cœur des gens, pour que ça puisse prendre, il faut qu'on gagne trois comportements sur le stade lui-même. Sinon, ça passe à côté. Pour que tu parles et puis ça rentre dans les poitrines des gens, pour que ça puisse les guider, il faut qu'on ait trois comportements en toi-même. Un, il faut parler à cause de Dieu. Le stade doit parler à cause de Dieu. Si toi tu es en train de parler avec l'intention d'obtenir quelque chose, ou bien de l'appréciation, tout ce que tu dis là, ça passe à côté. Ça rentre pas. Deux, il faut que tu ne sois pas un imposteur. Un imposteur, c'est-à-dire, tu dis, tu ne fais pas. Alors, nous appelle dans le Coran pour dire, êtes-vous dépourvu de raison? Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites des choses que vous-même vous ne faites pas? Est-ce que vous êtes malade? Ça, c'est le karma. Toi-même, tu as dit, que rien n'est pas bon. Tu es parti faire. C'est comme tu vois un corridor de police. Tu dis à quelqu'un, si tes pièces ne sont pas au complet, il ne faut pas arriver là-bas. La police est sortie. Et puis toi-même, tu n'as pas de pièces, tu vas là-bas encore. Est-ce que tu es normal? Trois, il faut que tu n'aies pas d'orgueil en toi. À te dire, si tu as l'orgueil en toi, tout ce que tu fais, trois. Si tu as ça en toi, si un, je vous conseille un innocent qui a ces trois comportements en lui là, tout ce qu'il dit là, même s'il a fait, et qu'on prend pour aller dans les cieux, tout ce qu'il dit c'est vrai, mais ça va pas rentrer dans ces gens. Alors une bonne compréhension. Aujourd'hui, on a commencé avec la Sourate Fatiha. Nous, on ne connaît pas l'importance de la Sourate Fatiha. Il y a une esclave d'un Saraba, d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a rêvé un jour. Elle a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un bourse. Ils sont allés, c'était dans les cieux. Ils sont allés, ils ont trouvé une porte, ils ont tapé la porte. Tout le monde est rentré, sauf elle et deux femmes. Ils ont fermé la porte. Eux-mêmes sont arrivés, ils ont tapé. Un ange est sorti pour les demander qu'est-ce qui se passe. Elle plus les deux femmes ont dit, on veut rentrer aussi derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est là l'âge dit, pour rentrer ici là, le prix, c'est la Sourate Fatiha. Si tu as pu réciter la Sourate Fatiha, tu rentres. Les deux femmes ont récité, elles sont rentrées. Elle qui est restée là, elle ne connaît pas la Sourate Fatiha. Et puis elle s'est réveillée. C'est ça qui l'a animé à aller apprendre l'islam pour apprendre la Sourate Fatiha. Mais tiens, ça comme ça. On va te dire qu'il faut rester pour voir la victoire. Toi, tu